Bonjour à tous, c'est Séphie pour le serveur fitdebeast.fr. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer le launcher fitdebeast pour pouvoir accéder à notre serveur. Vous allez cliquer sur le lien sous ma vidéo qui vous conduira au serveur fitdebeast.com. Vous irez dans l'onglet Download et vous faites Download Exe. Enregistrez le fichier. Maintenant, vous allez devoir choisir l'endroit où vous allez installer votre jeu, dans quel répertoire. Moi, je vais faire ça sur le bureau, hein. C'est plus simple pour la vidéo. Donc, je vais créer un dossier nommé FitDebeast, qui sera mon répertoire d'installation. Je vais y glisser mon launcher. Voilà. Et nous allons ensuite l'ouvrir. Très bien. Maintenant que le launcher est en route, on va faire Select Profile, Create Profile. Vous tapez dans la première ligne, donc username, votre pseudo Minecraft, dans Password, votre mot de passe Minecraft, et dans Profile Name, le profil que vous voulez, qui vous semble cool. Moi, je mets mon pseudo hors jeu. On fait Add. Normalement, c'est tout bon. Et on fait Launch en faisant bien attention que ce soit FitDebeast, Beta Pack A, pour le moment c'est ça, qui soit sélectionné. Et on fait Launch. Voilà. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est clic droit sur FitDebeast Launcher.exe, créer un raccourci et éventuellement le placer sur le bureau, c'est plus simple. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez rapide à télécharger, c'est comme Minecraft, hein, c'est petit, les mods sont petits aussi. Et ce launcher est tout simplement super. Ça vous évite d'installer des tonnes et des tonnes de mods. Et vous verrez, c'est un super launcher. Beaucoup de nouveaux blocs, un nouveau gameplay, c'est rafraîchissant. Très rafraîchissant. Donc là vous voyez, il a fini d'installer les mods, ça c'est la première fois seulement, et ensuite voilà, ça c'est ce que vous aurez à chaque fois. Ça va plus ou moins vite, il est en train de charger les mods, ces choses-là. Il y a quand même 38 mods à charger, ce qui est quand même relativement beaucoup. Voilà, hop, ça devrait bientôt avoir fini, et voilà. Donc là, on peut lancer une partie si on veut, créer, aller en multijoueur. Et voilà, très bien. Donc j'espère que vous nous rejoindrez nombreux sur fitdebeast.fr et je vous dis à plus. Salut!